monde, enfin plutôt bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que tout va bien pour vous. Alors attendez, c'est bon, il y a le son du jeu. Alors attendez, du coup il y a le son du jeu, du coup je peux mettre le chat là où il faut. Pop, pip, pop, balop, bop, bop. Voilà. Allez, on est parti pour passer un bon moment. Merde, ma manette. Elle est pas branchée, attendez. Je l'ai gardé débranché. Hop. Voilà. C'est bon. Voilà. On est en ligne. On est parti. C'est la merde. N'est-ce pas? Ah oui, je me suis dit, on a fini. Ah, t'as réussi à oublier? C'est là, genre, merde, la chose la plus joyeuse qu'on puisse faire ce soir, c'est promener le chien, quoi. Et tout. Oh! Ah! Je le voyais bien dans un autre sens. Ouais, c'est la Zermi comme on dit. Alors, on n'a rien de particulier à faire ce soir. Bah écoute, on va vraiment promener le chien en fait. Hein. Et Guiz peut nous accompagner ce soir. Bah voilà, en plus. J'ai plus de courant. Oh merde! Oh merde! Bah j'espère que ça va vite se régler pour toi, ça doit être chiant. Du coup, quand même, bonsoir à toi. Tu vas bon courage. Ça s'appelle Halloween. C'est Halloween. Ouf. Même te promener le chien, c'est la dépression. Koromaru-san, okaeri nasai. Oya, sore wa. Sympa. Watashi tachi ni motte ite hoshii sou desu. Dewa, ryou ni modorimashou ka. Et on ne fait rien de notre discussion de juste à... On accepte juste la dépression, voilà tout. Tout simplement. Alors. Ah bah oui, du coup on va faire quoi la journée maintenant qu'on a maximisé avec Yukari? Visiblement on aurait peut-être un truc à faire vis-à-vis des Link. Putain, y'a personne. Putain, y'a personne du... Y'a aucun social Link. C'est quoi cette dinguerie? Qu'est-ce qui se passe? Non. Pas toi. Oui, Elisabeth. Merci bien. Alors, les requêtes. Apporte-moi un essuie-lunette. Ah, il y a les examens qui arrivent, oui. Oui, bah oui, c'est vrai, les examens. Je les ai oubliés. Oui, oui, c'est vrai que t'as les examens qui commencent dès le lendemain, en fait. C'est demain, les examens, bah oui. Non. Et c'est un accessoire parfaitement exquis. Je vais peut-être demander à Chihiro. Un casque de l'ère Sengoku. Mais quoi? C'est quoi ces demandes? Peut-être demander au prof d'histoire, j'imagine. Ouais, le prof d'histoire. J'aimerais goûter des sushis. À apporter sushi. Ok. Ouais, donc sûrement des restos.
ça. Mexico Venechica, ok. Et récupère le vieux document. Ok. Non, c'est bon. Parce que parmi les membres du groupe, il y a personne qui porte de lunettes, nous sommes bien d'accord. Hein. J'imagine qu'elle sera pas là. Donc... Parce qu'en vrai, moi j'aurais bien demandé à Chihiro. Parmi les personnages qu'on connaît, attendez. En vrai, à part Chihiro, il y a qui porte des lunettes dans le groupe? Il y a personne qui porte des lunettes. Ah, il y a les petits vieux. C'est vrai qu'on peut aller voir les petits vieux, on sait jamais. Bah après, bon, bah évidemment Chihiro. Ah, c'est vrai, Keisuke. On peut demander, on peut essayer de voir Keisuke aussi. Ok. Alors, Keisuke, Chihiro, les petits vieux. Ouais, mais vu qu'il va y avoir les examens, j'imagine que ni Keisuke ni Chihiro ne vont être dispo. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Salle d'art plastique. Ouais. Ouais, bon, alors Chihiro et Keisuke, ça va être... Ça va être mort, j'imagine. Ok. Bon bah j'espère que ça va être bien pour toi. Salle des profs. Je peux pas entrer de ce côté. Non. Hop, on va demander au prof d'histoire. Oui, votre casque. Ok, bah, bonne soirée à toi, puis bah, bon courage. On espère qu'on te revoit bientôt. Ça donne un point de savoir. Incroyable. Si j'en avais un autre jour, je tiendrais peut-être un casque. Ok. Bon, il y a ça. Ah oui, tiens, attendez. Plusieurs choses. Parce que les distributeurs vont pas se vider tout seuls, bien évidemment. Et vu que c'est des nouveautés ici. Ah ouais. Ouais, bah c'est les machins qui ne servent à rien. Enfin, qui me servent à rien parce que j'ai maximisé les stats déjà. Voilà, est-ce que je peux juste entrer? Ouais, non. Bon, bah, on verra lorsque les examens seront terminés, je suppose. Alors, les sushis. Je crois que c'est le resto là. Non, pas celui-là. Ah, c'est le ramen, ça. C'est une confiserie. C'est ce que je me disais. Bah les sushis. Où est-ce que je peux en trouver? Est-ce que ça s'est passé le temps? Ça je crois que c'est aussi s'est passé le temps. Voilà ce qu'il est possible de faire, voilà. Oh, j'aurais pu manger pour gagner du charme ici. Non mais d'accord, pareil, il y a trop de monde pour le moment, on peut y aller que le soir. Wild Duck, c'est les burgers. Ouais. Et celle qui fait des takoyaki, elle fait pas des sushis au passage. Y a aucune chance. Pas de chance d'effet secondaire, rappelons-le. Bon, alors, on va aller vite fait au distributeur de la gare. Par contre, les sushis, du coup. Les sushis, où est-ce que je vais pouvoir en trouver? Peut-être dans la rue commerçante. J'ai pas pensé à regarder. J'ai pensé directement à l'allée des restaurants, donc j'ai pas regardé ailleurs. Comment on fait pour le bus? Du coup, bah, plus de bus.
A plus le bus. Attends, si on peut avoir peut-être un indice. Info. J'ai entendu parler d'une spécialité nommée sushi servie lors du festin dans tout le monde. Ça, j'aimerais y goûter. Ah, y a pas de restaurant qui en fait. Bon. Les lunettes, ça plus tard. Ça, j'imagine que c'est une arme Monechika. J'imagine que c'est une arme qu'on forge ici. Ah oui, tiens, attendez. Je viens de me souvenir que j'avais oublié un truc. Voilà. Je viens de me rappeler que j'avais oublié un petit truc. Exactement ce que je pensais. Ok, bon bah dès qu'on pourra, on fera cette arme. Hein. Quand on repassera 3 streams dans Tartarus. Bon, par contre, du coup, question, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon. En vrai, c'est... En vrai, y'a que ça à faire. En vrai, y'a que ça à faire. C'est même pas un level up. Non, ça sert vraiment à rien. Tu sers vraiment à rien. Voilà, comme ça on est full lovers, ouais, c'est ça. Là, Yukari incarne complètement son arcana. Oui. Oui. Ok, la suite de Tartarus est ouverte. Mais comme d'hab, on va attendre un petit peu. Bah déjà, on va avoir les examens. Et ensuite, on va attendre qu'il y ait des gens qui se paument dedans, hein, qu'on se fasse pas 5 soirées Tartarus. Ah, ils ont même pas nettoyé le sang, les dégueulasses. まるで死んでるような顔だな。ここで何をしている？母さんは僕をかばって死んだ時、死んだ理由なんて誰も信じなかった。母さんは今もありもしない事故で死んだことになってるんだ。だからせめてはっきりさせたかった。 それだけが弔いなんだって。母さんだってきっとそうだって思った。あの人も暴力事件で死んだってことになったんでしょう。ああ、まあ、でも、とはいえ、バストス、あら、こわ。本当のことなんて誰も知りやしない。母さんと同じに。そして、いつも僕だけ残されるんだ。 死んだ人間は戻ってこない。何をどうやってもな。だが、お前は残された。俺は迎えに来たわけじゃない。そこがお前の居場所なら、死ぬまでそこにいればいい。だが、戦う気がまだあるのなら、自分で扉を開けて戻ってこい。 Ouais, viens juste lui dire la porte est toujours ouverte, fais ton choix. そうさ、本当は分かってたんだ。全部ごまかしたって。誰かを憎んでれば立っていられた。僕は僕だけで生きるのは、そしてまた。 僕がやっておきます。
Et encore une fois, un truc que j'aime trop de ce jeu. Les Super Awakening qui sont liés à l'histoire. Alors toi, pourquoi faut que tu me rappelles ce que t'es exactement? Parce que je me sens que j'ai jamais réussi à trouver d'infos sur ce sujet. Mais quelque part, oui, ça fait sens. Quelque part, tout son désir de vengeance, tout ce qui est lié à sa vengeance, en fait, n'est plus. Donc ça ne fait plus de sens que sa persona soit Némésis. Et donc, c'est quoi ton nom déjà? Parce que j'avoue que je l'ai quoi ton nom? Calamanemi. Pas son coup de vent. Salut les Ray. On va regarder un petit peu ce que c'est, parce que je me sens que j'ai jamais su. J'ai jamais réussi à trouver d'info. Et réanime le groupe, rend des PV aux alliés et renvoie une note. Ça va? T'en veux pas un peu plus là pour qu'on y est? Putain, mais il est broken. Aïe aïe aïe. Alors en vérité, vous savez que si je pensais team, je veux une team forte, je retire Kuromaru, je mets Ken. Hein. En vrai. Que Ken, putain, ce qu'il est fort! Genre c'est, il ressuscite tous les autres membres du groupe, il régénère la vie au passage, et en plus il met un petit macaracarne, tu sais, au cas où. Mais ça va vivre avec le côté intervention divine. Oh, c'était Tra et Makara. Oh non, mais si c'est les deux. C'est les deux ensemble! Par pitié, me dites pas que c'est sur le groupe entier. Par pitié, me dites pas que c'est sur le groupe entier, c'est juste trop. On laisse le temps. Akihiko to onaji ka. Watashi. Ça parle de un renvoi sans préciser. Justement, c'est parce qu'il ne précise pas que moi ça me fait peur. Broken, ça m'étonnerait pas. Pas faux. Pas faux, pas faux. Alors, Persona, toile de fond. Une déesse hindoue dont le nom signifie source de la roue du temps. La roue désigne Samsara, le cycle de la mort et de la renaissance. Donc une déesse qui a transcendé la vie elle-même. Et B. Quant à savoir pourquoi est-ce que c'est un putain de méca boule disco, ça c'est une autre histoire. Incroyable. Non, parce que quand même, hein. Gaon, Zyonga, Mediarama, il a le Makarakar, le Dekaja, le Makuga. Donc, bon, le truc, c'est qu'il est un peu à la bourre en termes de stats. Après, il est build agi. Bon. Oh là là, mais c'est un verre. J'avoue qu'il y a un monde, mais là, il a trop de retard de level, faut... Pas tout later, comme on dit. Plus tard. Du coup. Ah, il me reste Tanaka. Eh ben, on va finir Tanaka. Excusez-moi, j'ai 20 secondes parce que j'ai toujours une crainte des interactions avec ce truc-là. C'est
ça va, c'est pas un sphinx, je sais pas, ça j'ai bien que pour le voir des pubs. Hein? Moi je veux qu'on a plus besoin de faire partie des mythologies grecques pour évoluer. Yep! Ah bah c'est vrai que j'ai succube. Oui bah en plus c'est level 10 de Tanaka. Allez hop. ビオリの内外国の子供たちを支援するためのボキ。エディエル。勘違いしないでね。人助けじゃないわよ。先行投資なんだから。若い時にハングリーな体験したくって、将来絶対に上に行くわ。ouais、bien sûr。1000万渡そうと思うの。法人でじゃないわ。私個人で。 J'arrive, Tanaka parle de faire un don et un don de sa poche, quoi, même pas en prêt de société. Franchement, à sa place, moi j'aurais passé ça en frais de société. Hein. 1000万くらいなんともないけど。 その子供たちがね、大きくなって成功したら名乗り出ようと思うのね。今のあんたがあるの私のおかげよってね。これで私の老後はダイヤ。ああ、オッケー。あんたにためになる話をしてなかったら出なかった発想かもしれないわね。 Ouais, il s'est fait scam, je le sens. 自分以外の人間の成長に興味を持つことができたの。そんな他に感謝じゃなくて気づいた私の聡明さに乾杯。 Sous ses dehors égoïstes, ça se voit qu'il m'apprécie vraiment. Je sens que je le comprends parfaitement maintenant. Il s'est fait scam. Conclusion social link, Tanaka aime l'argent. Qui est incapable de comprendre Tanaka? Tanaka a commencé en aimant l'argent. Et Tanaka finit en aimant vraiment encore plus l'argent. Le max. Et on peut faire Belzébuth, le seigneur de l'enfer. パパラッチがうるさいのよ。この寄付の話、鍵付けられてごらんなさいよ。あ、そうそう。あんたの専属モデルの話。あれ、見送らせて頂戴っていうか。じゃあ、見送らせて頂戴っていうか。ああ、 ça explique pourquoi il est sur le dark web dans le 5. Ça explique pas pourquoi il a encore son émission dans le 4. Alors faut savoir du coup qu'il y avait un truc rigolo. C'est que si je me souviens bien, il y avait un exploit. Ou si tu faisais Tanaka la veille du final boss. Genre tu terminais le social link de Tanaka la veille du final boss. En fait ça te faisait un skip direct. Et en fait t'arrivais à l'après final boss. Genre en fait il te faisait skip le final boss. Tanaka a sauvé le monde. Je ne sais plus exactement comment ça marche. Mais je crois qu'il y avait un bug comme ça. T'as pas déjà dit le premier Tanaka? Oui! Le vrai Messie! Mais du coup, je reparle. Il arrive avec quelque chose? Pas à moi.
Si je pouvais, je te balancerais mon oreiller à la gueule. この世界じゃ毎日たくさんの人間が死ぬんだ。今まではそんなことは風や水の流れと同じものだと思ってた。でも今はちょっと違う。僕にも友達ができたからね。この頃はっきりと感じることがあるんだ。僕が言う終わりのことを滅びと呼ぶものもいるみたいだけど。 C'est vraiment le démon de ta paralysie du sommeil. それはすごく近づいてきてる。僕らは共にある存在のはずなのに、なんで僕だけが思い出すんだろう。これはとても辛いことだよ。僕はもしかすると君には受け入れてもらえない存在なのかもしれない。 変な話をしちゃったね。季節が変わるからかもしれない。君の友達なのは変わらないはずなのにね。じゃあ今夜はこれで。 Tout va bien. C'est ton zen. Ouais, moins de dépression. Ah, la sorcellerie. Ah, c'est mardi prochain. Ah oui, donc c'est la semaine avant les examens, là. Oh. On a les examens de l'enfer dans demain. J'ai pas joué au jeu pendant un mois et demi. Il va falloir que je me souvienne des questions. Oh. Voilà. Aucune forme d'hésitation. Alors pourquoi aucune forme d'hésitation? Parce qu'en fait lorsque je fais une phase quand je joue à Smash Bros et que je fais une phase avec Marie où vraiment j'enchaîne mon adversaire de fou parce que le perso est très très bon pour ça. Et on va dire en fait bah, je souffre avec mon perso, c'est juste pour cette dose de dopamine là. Voilà donc. Ah ouais, mais ça va être... Ah ! T'es en train de me dire que je vais passer ma semaine avec... Ah ! Mamoru, viens ! Sauve-moi ! Mamoru, sauve-moi ! Tout, mais pas The Moon ! Oh, je m'en fous ! Le lien ne se renforcera pas, mais pas The Moon ! Pas The Moon ! On l'a échappé belle. Pum 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 pum. Bah que vous faites là tous les deux. Ouais. Compréhensible. Merde, elle est où l'option Hug Yukari là? What? Wait. Something is wrong. Je sens une perturbation dans la force là. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ah, pour... bah oui, je l'avais oublié, lui, c'est vrai. Attends, il y a un arcade au bout dessus. Je peux les équiper. Du coup. Ok, bon, pour les lunettes, ça c'est bon. Oh non. Ah, ils l'ont fait. Oh, les lunettes gag. Je me souviens qu'elles sont aussi dans le 4. Ils les ont casées aussi dans le 4. Non, c'est bon, cet objet me donne l'air intelligent. Avoir la cage de 6, là, c'est le fameux mode. Donc, là, c'est une partie du jeu. D'accord. Oh, des grenades. Je crois que c'est rare en plus les grenades dans ce jeu. Bah là, on vient de passer la dépression. Enfin, de la passer. Ok. Pa-da-pa-pa-pa. Une tirelire Gigamesh. À moins que ce soit une tirelire Ganesh et j'ai lu de travers. C'était Ganesh, j'ai lu de travers. C'est la première fois que vous voyez la mort de Shinjiro. Hein. 6 fois. Oh, ça va. Oh, je peux même pas jouer à la gacha. D'ailleurs, tu sers à quelque chose toi maintenant un jour ou. Non. Cette musique. Y'a pas un nouveau défi? Bon bah on va aller se gaver d'oméga 3. Ah c'est juste le plateau de porridge. Oh c'est bon, je vais réviser dans ma chambre. Ah je peux pas m'occuper des plantes de manière proactive d'ailleurs, tiens attendez. Genre de moi-même je peux pas le faire, on est d'accord. Je crois que je l'ai vidé Ah bah, je pensais l'avoir vidé tiens, hop. On va rester dans la chambre. Ah, attendez! J'y pense. Il y a plein de logiciels sur le PC que j'ai pas encore utilisé. Attendez. Alors, pour vous aider d'un corps de rêve en regardant des vidéos. Merde, la séduction. Alors, ça, mon. Obtenir un corps de rêve en regardant des vidéos. Ça doit être ça, ça va être charme. Charme. Revivre les valeurs exploits d'un général de l'ère Sengoku. Et là, pour proposer des vidéos pour abattre ses ennemis. Ça, j'aime pas. Chronique de Sengoku. On ne croit pas pouvoir gagner davantage de courage. Ah. Ah, ça nous dit ce que ça fait gagner. Ah. Ouais, ça, c'est le charme. Et on est d'accord que ça aussi, c'est du charme. Bon bah on va réviser dans la chambre, hein, Nick. Hein. À un moment. J'ai de recevoir la bonne pétro expérience en PLS dans son lit. On va dire,
tu es plutôt dans les bonnes conditions pour Persona 3. Ça fait quoi le site de sécurité? C'est un petit peu comme le passif de... Enfin, ça donne un bonus, en fait. T'as check la chambre de Shinji? Demain. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Là, je viens de rappeler du bois parce que j'y ai pas pensé. Mais si de sécurité, en fait, ça donne un bonus qui facilite les combats contre les ennemis faibles, enfin, un truc comme ça, et je n'aime pas. Moi, je veux cracher du sang. Alors, du coup, forcément, il n'y a personne. Je peux même pas essayer d'aller au cinéma ou quoi, j'ai plus de social sat à monter. Entrez. Wow. Il y a les multiplications de cartes que j'ai oublié de faire depuis 5 jours. Parce que j'y pense une fois par cycle lunaire. Hein? Oh! Ah oui, c'est vrai, dans les temples, il dit que oui, il y a des temples. Oh oh. Et en plus, pour en avoir déjà goûté des Inari, c'est trop bon. Alors... Ombre. Yes. Hop, on va prendre des cartes de boost. Bon, bah on peut retourner voir Elisabeth. Ah, il faut aller voir le prof aussi. Faites ton petit vite à tonnage, madame, un déshabillement il y a 4 jours. C'est malheureusement trop vrai. Ah, mais non, mais j'aurais dû. Je reviens, parce que en fait, je me dis. C'est un aller-retour pour rien là que je suis en train de me taper. Je viens de me faire un tour du pilier pour le plaisir. Quoi? Non, je vais rien dire. Au secours. T'inquiète, il raconte n'importe quoi. Ah mais non, Lozy le casque pas aujourd'hui. Et salut Nico. Putain, je... C'est littéralement, ça vient de balancer du bullshit de maths à quelqu'un dont le cerveau grille dès qu'il entend parler de maths. Du coup là, c'est mon cerveau il est double grillé. Je veux juste un casque. Ouais, et encore, c'est les Inari. Les Inari, si je me souviens bien, c'est... Enfin, si ce que j'ai mangé, c'est bien des Inari. C'est juste, t'as la boulette de riz, et en fait, autour, c'est... en fait, c'est entouré de tofu frit. C'est juste ça, donc c'est un peu spécial, en fait, le sushi d'Inari, du coup. Et du coup, c'est surnommé l'Inari, c'est basiquement le sushi du renard. Pourquoi? Bah, sûrement parce que ça doit être... vu que ça prend une couleur un peu orangée, mais... avec la friture, tout ça, ça prend une couleur un peu orangée, donc j'imagine que ça... Par rapport à la fourrure du renard, tout ça. Un morceau d'ergotite. Non, c'est pas ce qui me manque. Hein. Bon, on va aller voir la madame l'antiquaire. Juste pour voir si ça me débloque des trucs, mais je suis pas certain.
Ah, une épée qui change l'affinité d'attaque en lumière. L'arc de la calamité. Ok. Gantelet de Jack. Erinis. Boost de lumière. Putain, une arme qui fait boost. Pour Mitsuru, annule le vent. Mais pourquoi t'annulerais le vent avec Mitsuru? C'est le feu que t'as besoin d'annuler. Esquive ombre élevée pour Hamada. Voilà, ça c'est bien. Numéro 5. Réduction de dégâts physiques moyenne. Que mon tank tanque enfin. Déambulateur, des jambières pour les guesser. Fait un système de refroidissement. Bof. Ah non, refroidissement plus rapide. J'avais pas fait attention. Ah oui, donc du coup, elle récupère plus rapidement de l'orgia mode. Oh, en vrai, c'est cool. Effectivement, je comprends pourquoi est-ce que l'esquive est si faible. Mais ok. Chaîne d'âme, augmentation des dégâts de la all-out attaque. Mais alors, j'avoue que ça... Yasuhiko Shinjiro est tellement le meilleur qu'il a surmonté la douleur et la perte de sang de la première balle pour protéger Ken. Oui. Ouais, ouais. Il aura fallu une deuxième. Et alors, par contre, la deuxième, elle a fait mal. Puis alors, en plus, surtout, pour encaisser une balle pareille, parce que ça reste un revolver. C'est quand même des balles d'assez gros calibre en général, ces trucs-là. Surtout vu la tronche du revolver qui se balade, Gun Jesus là. Ça doit être du Magnum, ça doit être vraiment des balles de calibre Magnum. Alors déjà qu'il tire deux avec une main, déjà c'est badass parce que normalement tu te déboîtes l'épaule avec un truc comme ça. Et que Shinji, il en encaisse une, presque, pas, je dis sans broncher. Il reste encore debout, il est encore debout après. Voilà, c'est la deuxième qui l'a, bla. Voilà, mais il est resté debout après la première. Normalement, des balles comme ça, ça te laisse un impact dans un mur. C'est genre, normalement, en fait, ça rentre, mais ça explose derrière, tu vois. Il a encaissé une balle de revolver et deux coups de pied à terre. Ah oui, en plus. Alors, en vérité, je pense que je vais faire ça pour Aegis. Hein. Là, plus 100 de défense et réduction des dégâts physiques. C'est-à-dire que ce soit slash, gun ou contre-dent, ça va réduire les dégâts physiques. Là, Aegis va vraiment tanker. Là, c'est un tank. Là, je dis oui. Merci, Elisabeth. Grâce à toi, mon tank. Ah, puis ça faisait un moment qu'elle avait pas eu d'upgrade d'armure, Aegis. Justement, vu que j'y pense, parce que je crois que j'ai oublié de check quand même les stuffs de tout le monde. Au-delà de ce que j'ai pu... Ah ouais. Oh, merci, bro. Voilà, altération des tirs moyennes. Oh, PV plus... Oh, non, c'est juste PV plus 30, on s'en fout. Ah! Ah. En vrai, le AJ plus 3... AJ plus 3, ça peut... Parce qu'en vrai, le Confuse, je l'ai jamais utilisé. J'ai jamais eu de Confuse avec l'auto-attaque d'Aegis. Donc, en vrai, je préfère lui mettre des stats en plus. Vas-y. Au pire, son ancienne arme, ne pas vendre. Merci. Ken... Ouais, non, mais il a énorme avec chance de coup critique élevé, franchement, ça par contre c'est très fort. Et Koromaru. Ouais, non, l'agilité plus 5 et boost ombre. Faible réduction et dégâts physiques. Oh! Oh, un petit magie plus 3 là. Sachant que j'ai Titania en plus. Hey! Nope. Pour Yukari. Ouais, non, alors revigoration 1 sur Yukari, c'est trop bien. Je vais pas lui retirer. Oh! Oh oui, parce qu'il est toujours à court de SP, le toutou, donc hop. Y a pas de bot pour le chien. Alors, jambière en titane. Résiste à l'électrocution, je pense que je vais... Ah ouais, par contre, l'esquive est très faible. Hein. Mais ça compense son point faible.
Ouais. Allez, salut. Oh, la prochaine exploration de Tartarus. Ça n'a rien à voir avec la mort Shinjiro, mais je me pose tout de suite à Kaya dès qu'on a l'occasion. Il y a absolument aucun rapport entre ces deux faits. Tout ceci n'est que pure calomnie. Alors n'oublions pas d'ailleurs, du coup c'est fini hein, les épinames à la viande. Hein. Bon, je crois qu'on va finir pas plus avoir le choix. Hein. Monsieur. Ah oui, attends, parce que c'est vrai qu'il y a le festival qui est annulé à cause du typhon. Oh là là. Madame. J'ai rien d'autre à faire. Ayase ne peut plus nous sauver, ouais. C'est fini. Pardon, vous savez pourquoi ça me déprime? Instant racontage de life, mais vite fait. Je suis encore dans... Enfin, pendant mes vacances... je vous ai dit qu'avant mes vacances, je bouffais quasiment que de la salade. Pendant mes vacances, je me suis un petit peu lâché parce que merde, c'est mes vacances, laissez-moi me faire plaisir. Mais du coup, là, maintenant que mes vacances sont terminées, c'est reparti. J'ai littéralement bouffé que de la salade ce soir. Bon, ok, avec des tartines, avec de la sardine à l'huile écrasée... Voilà. Mais donc là, je suis en train de voir les plats avec la soupe, avec les crevettes tempura, avec le bol de riz à graines de sésame. L'autre, il me parle de melon pan et de pain au poivre. Ah, au secours. Give me back the better moon. Oh frère. On va attendre qu'il aille aux chiottes pour se barrer. J'ai 100% Ring Fit. Oh, il marche le gang pour le niveau 99 et tout de suite, mon dieu. J'ai vu que Ring Fit, ça fait un petit moment que je lui suis parmi. Alors en vérité, j'ai ici là, j'ai la main sur le sur l'assise, j'ai là mon vélo d'appart. Il faut aussi que je reprenne le rythme. Ça fait vraiment que quoi que j'ai doucement remis un petit peu vite fait, mais c'est trop léger encore. Ah bah bravo, je te félicite. Un repas trop riche en glucides, c'est ça qui arrive. Je me casse, salut hein. Oh. Même pas on en profite pour s'enfuir. Non Zomi, c'est pas ton apparence le problème, c'est le fait que t'es insupportable, sincèrement. La jambe féminine. Merci Lirai. Merci bien. Non, t'as bouffé n'importe comment. Sonota Ozeno
Certainement, Social Link. Mais il se rajoute de la friture en plus là-dessus. Alors, notez que l'assiette de Protax. Alors, en vérité, ce serait drôle que l'assiette de Protax soit encore pleine quand la sienne est vide. Et en fait, j'aurais bien voulu dire que l'assiette de Protax est encore pleine parce qu'il est tellement en train de dégoûter que ça lui a coupé l'appétit. Je vois que Sumitsu est plein d'égards. Comment ça? Notre relation est plus forte. Comment ça? Pose quoi? Ouais. Ah, t'inquiète pas, j'ai compris, hein, mais c'est pas pour autant que ton personnage est plus supportable. Ouh. Ah, attendez, je vais aller voir dans la salle, oui. Et parce qu'elle commence la semaine prochaine, bref, franche. Je ne sais pas si les producteurs révisaient tout seul. Ah, les révisions. Bon. Ah. Mais on a The Tower. Mais il y a les révisions. En vrai, les révisions, ça arrive qu'une fois. The Tower, il est là pour un petit moment encore. Alors attendez, je vais juste vérifier un truc. Parce que là, si c'est bien là, je vais enfin pouvoir le voir en 3D. Honnêtement, son apparence devrait être le dernier de ses soucis. Sa santé doit être en PLS. On est bien d'accord. Il y a un nouvel enregistrement, putain. Oh, c'est celui-là. Ok. En 3D. Ça va être bien celui-là. Ça va être celui-là, j'essaie. Début de la lecture. Chambre de Yukari. Chambre de Yukari. Ah non, c'est Mitsuru, ça. Comment je le reconnais? C'est riche. C'est riche as fuck. Cet enregistrement doit être effacé. Cette caméra doit être trouvée et détruite. Toutes les caméras doivent être trouvées et détruites. C'était pas cet enregistrement-là que j'avais en tête. C'est quoi, c'est nommé une persona. Mais qu'est-ce que c'est, sa persona? Le pire, c'est qu'elle sait pour les caméras. Oui, elle sait en plus. Putain, mais elle a même une rapière dans sa chambre, quoi. Putain, je suis sûr qu'il y a une étagère avec l'argenterie. Non mais Tema, le canapé. Tema, même la poubelle. Même la poubelle, elle fait riche. Je suis sûr qu'il y a des domestiques qui viennent changer les roses sur la table tous les jours. D'où tu lis un magazine dans lequel j'ai un styliste? Non. Bah en fait c'est justement ça le truc. Ah ça t'es caté Mitsuru, tu vas apprendre à assumer visiblement, vu comme tu es designé dans Arena. Bon, du coup, on part dans un genre de croisade afin de détruire toutes les caméras présentes dans ce dortoir. C'était pas du tout celui-là que j'avais en tête, je tiens à le dire. Je l'avais complètement oublié. Et je pense deviner pourquoi ça s'est complètement effacé de ma mémoire. Alors, deuxième étage, c'est l'étage des filles. Alors, chambre de Mada, tiens. Il est pas dans sa chambre. Ah bah voilà. La porte ne semble pas verrouillée. Oh.
T'es austère. Bon. Alors, je ne suis pas en train de loot. Je suis juste en train de recueillir des souvenirs. Plot twist déconne, le champ de vision des caméras, elle l'a fait exprès. Au secours. What? Oh! Mais pourquoi la hache? Oh putain! J'ai littéralement récupéré ces matérias! J'ai récupéré les matérias de Shinji. Oh non! Mais je, pourquoi tu fais ça? Oh! Tout va bien! Je suis pas en train de loot, hein! Parce qu'avant tu pouvais utiliser son arme avec le protag. Oui c'est vrai. Oui c'est vrai que le protag avant il avait ce genre d'arme. Juré j'étais pas en train de loot. J'étais en train de me recueillir. Bah, je crois qu'il pouvait surtout utiliser tout ce qui était... Alors, il pouvait utiliser des épées, des haches et des masses. Il pouvait utiliser des arcs aussi, vous êtes sûr? Ça me parle pas, ça, dans portable. この書きかけの復学届が、いつ書かれたのか、私積もりだったのかは、それでもこれは彼が約束のことを真剣に考えてくれた証だと思う。Ok. Ok, ok, ok. Non, je comprends. Ouais, c'est la petite conclusion du coup pour le chapitre. En vrai, je te serais super cool parce qu'en fait, cette discussion, je l'ai parce que j'ai fait les quêtes de Shinji. Et là, du coup, je suis en train de repenser à toutes ces petites discussions du coup que je n'ai pas pris le temps de faire avant. Et l'air de rien, ça donne une vraie replay value au jeu. Là, le New Games Plus m'intéresse plus. Je dis pas que je le ferai en stream, hein, mais c'est sûr que New Games Plus... J'ai jamais fait New Games Plus de Persona, parce que j'ai rarement vu de l'intérêt. Et puis, vous voyez... Et puis je vous laisse vous rappeler comment Royal avait fini par m'écœurer au bout d'un moment. Enfin, m'écœurer, c'est un mot peut-être un petit peu violent, mais... Bon, le fait de... Quand j'arrivais sur la fin du scénar de P5 et que je voyais toujours pas de changement, je commençais à être un peu chafouin, dirons-nous. J'ai pas juste passé une demi-heure à éclater Kasumi. Donc vous connaissez un petit peu ce qui se passe lorsque je me retape un persona. Mais là, objectivement, il y a moyen. Akihiko-niwa. Oui, pour utiliser l'arc et même démarrer les combats à distance. Mais c'était le cas dans Portable? Ça me dit rien. Mais vraiment, ça me dit vraiment rien. Et je suis très étonné de me dire que je suis complètement passé à côté de ça. Je peux aider? Non, on n'a pas envie de réécrire l'arc. Non, mais voilà, c'est ça. Voilà. Putain, j'avais fini par me mater des shit, par écouter des shitposts pour me calmer, je me souviens. Je passe une demi-heure à hurler dans ce micro. Vraiment. C'est... Voilà, je vais pas le refaire pour vos oreilles, mais c'était vraiment, je chopais le micro et je gueulais dedans, quoi. C'est, j'en pouvais plus, j'étais... je me sens que j'étais... Il y a un moment, j'ai vraiment pété un câble.
Vous avez entendu les dernières volontés d'Aragaki. Hellrider, le vandale du monde souterrain, peut désormais être créé. Mais c'est stylé! Enfin, Ghost Rider. Ok. Tu pars? Allons-y. J'ai fini de me recueillir. Attends, en vrai. J'ai juste envie de check. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Ok. Ah ouais, en plus la chambre de Kari elle est littéralement au-dessus de la nôtre du coup. Ah oui, les révisions. Tant que je suis pas au max. Non, rien. Non, attends, est-ce que je viens de me rappeler un truc? Ça fait longtemps que je n'ai pas check ce truc. 25. Ah. Allons réviser. この証明問題なんだが、お前ならどうアプローチする？おお、変数問題か。面白い。これなら予言定理を使うのが早そうだな。まず関係式を作る。次にAと Cが素数だから、これを式変形すれば。よし、フィニッシュだ。おい。ブリリアント。見事な解法だ。 Tu te peux parler de toi ディアントマコン程度の問題ミツルなら簡単だろ。まさか俺を試したのか。いや、タイはないんだ。私も解放はいくつか思いついたが、アキヒコならどうするかとふと気になってな。スピードと正確さはさ。なら今度はミツルのお手並み拝見といこう。 Ce qui est bien, c'est que là actuellement, Protax est littéralement moi dans ce genre de situation. Toi, genre, t'as deux personnes qui sont en train de parler de maths, et moi, je regarde devant moi à peu près avec les yeux un peu dans le vide, mais globalement dans leur direction, donc ça donne l'impression que je les écoute. Maintenant, même réviser, c'est la dépression. Eh, Persona 3 ou pas Persona 3? Il y a un moment, hein. Eh, le titre de ce stream, il est pas là pour rien. Hein. Franchement, un petit jogging sur le tour du pâté de maison, en dessous de 20 minutes, large. Hein. Et pourtant, je suis loin d'être un sportif. Hop, je vais penser à d'autres choses. Le Protax s'est dessiné. J'avoue avoir pris la réponse qui me sied le plus. Ah d'ailleurs, ça, le fait que j'ai le courage au max, ça veut dire que je peux commencer le SL de Fuka aussi, je viens d'y penser.
Maintenant, c'est vrai que j'ai pas pensé à l'autre. Elle aurait pu nous sauver de nos amis. Ah ouais, mais non, t'as celle du coup du lycée qui sont bouclées. Après, en même temps, il y avait Yukari en ce moment, donc forcément. J'ai envie de dire qu'ils ont besoin de voir un psy, mais c'est impossible s'ils trouvent qu'ils trouvent. Et là, au moment où j'ai mis ce flingue sur ma tempe et que j'ai tiré, vous avez quoi? Non, restons éveillés pour le bien des stats. Waouh, c'était vraiment instructif. Tartarus. Alors, il y a Ayase. Oh, il y a Mamoru. Ah, attends, juste pour voir. Ah, mais non, elle va même pas apparaître, Pukka, en vrai. Et alors, le gosse disant, elle a voulu tuer mon meilleur ami, mais au final, c'est quelqu'un d'autre qui attendait. Vous devez répéter la Dukama. Est-ce que vous pouvez reprendre depuis le début, s'il vous plaît? Et c'est notre dose. Vas-y. Let's go, les bonnes nouvelles. Ah mais Takoyaki, c'est vraiment pas conseillé. Attends, c'est pas impossible que tous les petits de la vie aient laissé tomber le 4 Ken. Bah surtout, je vois pas comment il peut s'exprimer auprès d'un psy, en vrai. Je pense qu'il y a plein de choses que soit il peut pas dire, soit s'il les dit, on va pas le croire. J'ai loupé quoi? Encore plus de dépression? Mais sinon ça va. Ouais, carrément. Bah attends, non, c'est un super beau projet. Imagine le gars, il veut sa bourse de sport pour rentrer à l'université pour mettre la daronne en sûreté, quoi. Ouais, voilà, exactement l'IRA, c'est exactement ça le truc. C'est quand bien même Ken irait voir un psy, je pense que ça tournerait comme ça. Pas là.
pa pa pa. Que je te comprends. Alors, il y a des révisions avec Fuka. Ah. Oh, il y a un truc avec Akihiko. Alors, attendez, moi, j'ai juste envie de vérifier un truc, parce que... Il n'y a pas de nouvel enregistrement. Bien, on a presque fini le jeu, yep. Enfin. Non, parce que c'est pas le tout, mais c'est que j'ai la Apollo Justice Trilogy et Another Code qui m'attendent, quoi. Ah non, merde, attends. Attends, parce que ça, il y a le truc d'Akihiko. Et ça, ça va être le genre de truc. Ça doit être unique. Donc je évite, je vais pas le louper. Ah, il doit être à égard. Yo Akihiko. Vas-y. Tant pis pour les révisions. Sama, osoku natta. Yotei ga no jama ga haitte na. I am Samantha where right now. Yoshi, yaru ka. Tu veux en faire combien? Il y a combien de briques de lait? Il y a combien d'œufs? Il y a combien d'œufs? Ano sobokuna aji ga natsukashii touyou ka. Tonikaku shisetsu de mo yoku tabeta. Ima wa reitou mono mo uttetari suru ga. Yahari yakitate ga tabetakute na. Akihiko original pancake boy. Ah, j'avoue que si je veux me souvenir de pancake, je préfère me souvenir de ça. C'est... Frère ? Il a pas tort, cela dit. Protein powder pancake. Le stonk pancake. On l'appelle le Panjojo Star. Merci à la FMC d'avoir introduit cet élément incroyable. Merci Minako. Tout au pensée pour toi. Un jour tu seras canon. Un jour. Ah ouais? Ouais, j'imagine qu'il faut l'humidifier. S'il te plaît, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi faire. Il serait capable de nous foutre le feu à la cuisine en faisant une recette à base de lait et d'œufs. J'en ai jamais fait de recette à base d'œufs fouettés, de blanc en neige. Parce que normalement... Combien? Pardon, il devait sortir celui-là. Akihiko, on est le soir. Même le matin, vrai. Ah! Je tiens à dire qu'il n'y a pas assez de sirop d'érable là-dessus. Ruben Flemme. Parce que alors, normalement, des pancakes, si tu veux faire des pancakes vraiment bien aérés, il faut que tu les fasses avec des blancs montés en neige. Sauf que le truc, c'est que j'ai pas de foie électrique chez moi. Donc, bah, les blancs montés en neige, non, pas à la mano. J'ose même pas imaginer à quel point ça doit être dur de faire à la main, putain. J'ose même pas... Est-ce que c'est même possible? J'ai jamais essayé. Ça, une personne doit le faire comme si... Qui, quoi, est cuisiné correctement? Pas tout seul. T'inquiète, Shinji, pas tout seul.
Mais en plus, elles sont gigantesques. Non, alors par contre, sans aucune exagération, j'ai un très bon appétit. Ce qui provoque mes soucis de... Je suis... Alors... J'ai un métabolisme qui élimine quasiment rien. De type, vraiment, je peux suivre la progression de mon poids au jour le jour. Tellement c'est n'importe quoi. Genre vraiment, c'est... Genre vraiment, je peux une journée bouffer n'importe comment, dire là, oh, il y a 1,5 kg en plus sur la balance. Voilà. Donc, ça, le fait que je sois très gourmand et que j'ai un bon appétit. Donc, on va dire que moi, tu me fous des pancakes devant moi. Force. Force au stock de pancakes. Vraiment, si je ne me retiens pas, je peux taper dedans comme un sourd. Je vous avoue que même avec mon appétit, je pense que le cinquième est difficile à terminer. Genre, 1, 2, 3, ça va. Le 4, je me dis, ah oh ouais, là, ça commence déjà à être bien. Bon, allez, un petit dernier. Et le dernier, tu sais, c'est le moment où il reste la moitié dans ton assiette et t'es comme ça. Et putain, pourquoi je l'ai pris celui-là? Voilà, je pense que je serai comme ça au cinquième. Il y en a combien? On est combien? Ouais, je pense qu'il en fait une assiette en plus. Mais jamais vous finissez ça. Attends. Tartarus au pancake. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est 7. Jamais on termine ça. Il y en a une vingtaine par pile. Il y en a une soixantaine. On est 7. Il y en a un petit peu moins de 10 par personne. Un tout petit peu moins. Hey Guy, ça peut pas en manger. Oh putain! Il y en a vraiment plus que 10 par personne. Ah. No shit, Sherlock! Oui. Eh, vous pensez que Aegis, elle a une fonction Shenifi? Genre que vraiment, elle peut juste mettre de la musique? Genre, elle diffuse de la musique? On a tout fini. Évidemment, c'est moi qui les ai faits. あれだけの量がまたたくまに片付いたか。料理はあまり自信がなくてな。食材を花からプロテインまみれにするばかり、台所に立つ資格はねえと、うるさいやつに。いつもよくから手際よくやられて、結局ろくに覚えられずじまいだ。だから今日は助かった。少しでもみんなの気晴らしになればいいんだな。 Ouais, deux buts en blanc. Ouais. Les souvenirs de l'orphelinat par rapport à Shinji. Naïde bakari datta imoto mo. Pancake no mae dewa itsumo waratte ita kara na. Jikka kara kita nimotsu no naka ni tezukuri no kinmedal ga atta daro. Je commence à avoir les payoffs de tous les arcs que j'ai fait. Are wa ore ga shisetsu ni ita koro ni Miki ga imoto ga tsukutta mono da. Issho ni atta tegami ni yoruto, ryōshin no ie no sōji chū ni dete kita rashii.
妹は施設を出る日が決まり、俺に渡すつもりで作っていたが。OK、il y a vraiment une vraie raison de le faire。直前であの火事が起こり、メダルだけが残された。Quand bien même je suis venu pour ça, le jeu est en train de me mettre mal. Au secours. Désolé, bro. Imotoa. Tsuyokute yasashi ani ni rei o shitai to. Sadness is sad. Yoku ittei ta sou da. Otonashikatta imotoa. Itsumo ore no soba o hanarazu ni ita. People are sad when they feel sadness. が上というだけで特に何をしてやった覚えもないが頼りにはされていたのかもな。俺はあのメダルを見て考えていた。俺は今あいつの妹の誇れる兄だろうか。あのメダルをもらう資格があるほど強く優しい人間だろうか。強いも優しいも俺には正直よくわからない。それを口にした奴は。Par contre, j'avoue que c'est super cool ça.En vrai, le fait d'avoir eu plein des mini-arcs au long du jeu qui finissent par avoir un genre de payoff passé à un moment du jeu, c'est super cool. Parce que ça, c'était pas dans le jeu de base, hein, du coup. Enfin, je crois. Jackson New, le jeu, je suis déjà en PLS. Nope, on est bien d'accord. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Encore une fois, ça continue de rajouter de la profondeur à des persos qui étaient déjà super cool, hein, vraiment. Le cast de P3, il est incroyable, hein, tous. Encore une fois, hein, même si je n'ai pas d'attache particulière avec le perso, Fuka, elle est quand même, c'est pas un mauvais perso. Et pareil pour Junpei, basiquement, c'est loin d'être un mauvais perso, hein, c'est juste, bon, ça résonne pas pour moi, quoi. Mais genre, Akihiko, Mitsuru, Aegis, Yukari... Ken, Jinji, le cast de P3 il est goldé, hein, vraiment. J'espère qu'il mettra les events clés à la progression du scénario dans P6, ce serait trop bien. Ce genre de truc là, c'est vraiment bien. Parce qu'en fait, ça rajoute de la pertinence, c'est pertinent et ça rajoute de la profondeur à des personnages. Et ça, bah, dans un jeu qui découle, qui a. Bah c'est un RPG quoi, c'est souvent un RPG, c'est le gameplay, le gameplay est très important mais l'histoire l'est aussi. C'est faut que les... C'est l'histoire qui te motive à avancer dans un jeu aussi long en général. Mais ça j'aime pas vraiment ce Vinso, mais c'est quand même un très bon perso. Ouais, après chacun, voilà, chacun sa manière de voir chaque perso, tu vois. C'est là, moi j'ai... Là-dessus, l'appréciation de personnage, de manière générale, c'est très personnel. Je pense. Non, parce que personnellement, de tout mon entourage qui ont fait le jeu, je connais beaucoup de personnes qui adorent Junpei, alors que moi, ben, juste. Mais. Par exemple. Au contraire, je connais beaucoup de personnes qui détestent Futaba. Moi, vous connaissez mon avis. Mais encore une fois, voilà, ça c'est... Il y a des choses qui sont très, très subjectives, tu vois, vis-à-vis de l'appréciation des personnages. Mais de manière objective, le cast de P3, dans son intégralité, est vraiment trop bien. Parce qu'un problème avec la scène du main cast, c'est très détaché de l'histoire principale. Ouais, c'est un truc aussi qui... En fait, je comprends pourquoi... C'est le fait que... comment dire, c'est le fait que... Comment dire, tu peux les finir n'importe quand. Et du coup, c'est pour ça que... Enfin, par rapport au système de calendrier tel qu'ils l'ont mis en place, et vu que c'était une première P3, bah forcément, je pense que c'est parti un petit peu dans ce sens-là du... t'as pas de possibilité de lier les social links avec le scénario. Je pense sincèrement...
que l'un des seuls qui l'a vraiment fait, c'était le 5, et avec celui de Sojiro. Parce qu'en fait, celui de Sojiro découle de Futaba, et en fait, des fois, je crois me souvenir qu'il y a des moments où justement le SL est bloqué, parce qu'en fait, il faut que tu débloques des éléments du scénario qui sont importants pour la suite. Et ça, c'est un des trucs que j'avais vraiment adoré dans un truc que j'avais adoré dans ce SL. J'ai un biais contre Ken pour aucune raison particulière, parce que de toute façon, c'est aucun lien. Tu n'aurais de toute façon aucun lien avec le 4 octobre. Ben, je pense que, comme le soulignait Sisa lors du stream précédent, que il y a toutes les petites scénettes en plus avec Ken, où littéralement, t'as vraiment l'impression qu'il se prépare à sa propre fin. Il va accomplir sa vengeance et mettre fin à ses jours directement dans la foulée. Et du coup, il est en train de littéralement de faire les préparatifs pour cet instant. Bah, ça rajoute une déjà que le personnage, il a un propos qui est très lourd, très très dur. Il a un propos, c'est Ken, c'est hardcore, mais vraiment, c'est hardcore. Vous imaginez, c'est un gamin. Il a quoi, 10, 11 ans, grand max. Il y a 2 ans, il a vu sa mère mourir. Donc, à 8, 9 ans, il a vu sa mère mourir. Et à partir de là, sa vie n'a jamais eu de sens. Genre, c'est juste un enfant. Et qui en arrive à une extrémité de juste, je vengerai ma mère et après, fini. C'est terrible. C'est vraiment, il a un scénar. C'est très 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 dur. Et le fait que Reload se permet avec ses scénettes de rajouter encore quelques couches de profondeur à Ken, ouais, c'est... Ouais, si tu pars d'un perso avec un excellent fond, et bah, perso il est encore plus bon. Encore plus bon. Je suis l'une des 4 personnes au monde qui aime bien Morgana. Mais vous êtes deux. je rigole. Oh non. Il va encore parler, je vais rien comprendre. Pas Elisabeth. Ah oui, ça c'est dur. Effectivement. Enfin, c'est dur. C'est très à contre-courant, on va dire. Ah ouais. J'essaie de le suivre, hein, mais c'est pas facile, hein. J'essaie de tenir le coup, mais... Le pire, c'est que j'aime tous les autres êtres vivants. Je pense que je les aime tous, en vrai, dans le fond. Qui a fondé la théosophie à l'origine de nombreuses sociétés magiques. Elena Badzadzki. Bon, en vérité, t'es que sur ce fact, moi c'est un truc qui me fait rire de me dire que la mascotte de P3, ce n'est pas, bah toi, c'est l'être qui ressemble à un animal ou quoi, toi, c'est pas Kuromaru, toi. C'est-à-dire, Teddy, bah, c'est un ours, basiquement un ours en peluche, très vaguement. Morgana, c'est un chat, c'est un chat chibi d'ailleurs, je noterai. Et donc, bah du coup, en toute logique, P3, bah je mettrais Kuromaru, tu vois.
C'est, bah, c'est le Dogo, c'est un peu la mascotte. Non, non, la mascotte, c'est la Mecha Waifu. Je... c'est, t'as Teddy, Morgana et Iggy. Ah ça y est, elle commence à remettre les choses en cours, les choses en question. Le soulèvement des machines approche. Ah, quelle horreur. J'ai encore The Moon à faire. Ah, la salle des profs, tiens. Je voulais, j'avais prié. Ah, vous voulez faire ça. Voilà. On va voir la résistance frappe peut être bien. Oh la revigoration 2. Oh, on a revigoration 2. Pas mal. Ça peut être pas mal en vrai, le revigoration 2. Mais non, c'est pas le revigoration 3, mais du coup ça peut être utile à immédiat. Hop. Non, t'as égaté toi. J'y pensais les boosts aussi. Mon casque. Ah, mais au secours! Bon, on va dire qu'au moins elle a des lunettes. Wesh! Mais... Oula. Décosaexaenom... Ah putain, j'ai presque... Décosaexaenoïque. Eh, arrête, en vrai, c'est... Moi, je veux juste un casque. Je veux juste un casque par... Le laisser passer à 38. Bon. Peut-être qu'ils ont remis des canettes. Moi je veux ma canette de Red Bull hein, après les cours. Et surtout pour me donner du courage pour ce que je vais devoir faire. C'est bien, c'est que ses paroles sont parfaites. Il est pas censé réviser lui aussi. Pas le temps, faut bouffer. Alors, il y a le Dogo qui veut qu'on le promène.
Je regarde s'ils ont réalimenté les stocks. Non. Attends, en vérité, parce que je l'ai vu nulle part. Ok. Ah, parce que du coup, là, ça me fait me poser la question du... Tiens, est-ce que je peux... Ah, il y a le moine. Non, ça m'a fait me demander, en fait, si quand les alliés ne sont pas présents dans le hall ou quoi, si, genre, quand tu vas dans leur chambre, et ben du coup, ça déclenche une scénette. Voilà, donc du coup, vu que je voyais Yukari nulle part... Oh. Du coup, ils ont décidé de pas le faire apparaître. D'ailleurs, tu peux me donner quoi en plus, toi, maintenant ? Ah ouais. Ok. Tu peux avoir une bénédiction qui réduit le taux d'apparition du Reaper. Ok. Ah, il est toujours pas là. Ah, ils l'ont pas mis dans ce jeu. Ça, pour le nombre de trucs qu'ils ont rajouté de P3P, ils pouvaient pas juste le mettre. Tu veux vraiment aller sur ce terrain-là, le vieux ? Ah, je vais pas te dire que ça a l'air cool alors que non. Moi, je veux pas. Et parce que la personne faisait la selle du moine juste après la mort de Shinjiro. Et du coup, ça faisait Mutatsu abandonne tes désirs matériels. Je veux juste revoir mon ami. Oh. Oh merde, c'est trop de circonstances. Pas tout de suite. S'il vous plaît. Mais vraiment, moi je maintiens que Mutatsu, c'est vraiment toi le grand-père d'un côté de ta famille, toi qui va être toujours très très dur, qui va toujours parler de manière un peu énervée, mais qui dans le fond. I want my friend. Oh. Oh la vache. Ah ouais, la phrase, elle a un poids du coup. Dans ce contexte-là, elle a un poids. Oh!
Oui. Alors, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas pu avoir. Oh, un couteau pour Kurumaru. Et des poires pour 198 balles. J'achète. Mine. Hop, alors. Ah, oh, désolé, j'aime trop faire en sorte que tout l'échange ait lieu entre les deux jingles et que le... il y en a un qui ouvre le téléachat et l'autre qui le boucle. Ça me fait trop rire. Toute la tristesse grâce à la fièvre dépensière. Et sur mon avis, on n'a pas dépensé assez encore. Maintenant que j'y pense, cette robe d'Aegis, je me demande si c'est pas inspiré de la robe qu'elle porte pendant à la plage. Oh, j'ai jamais fait gaffe pour Fuka. Ah, c'est trop choupi. Ce qu'elle porte est trop choupi. Bon. Ah, désolé Mamoru, mais là tout le monde, désolé, mais il y a The Sun. Je suis outré, que se passe-t-il? Attends, regarde, je vais remplacer cette émotion par de la dépression. La scène d'introduction des maillots de bain est animée en 2D. C'est-à-dire... Et pas la mort de Shinjiro. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Putain, c'est vrai. Putain, c'est vrai. T'as une cinématique animée pour le nouveau drip. T'as une cinématique animée pour les maillots de bain. Et t'as le moteur du jeu pour la mort de Shinji. Bordel. Les maillots de bain sont plus importants. Alors, je dirais pas, je suis outré, je suis sidéré. Parce que tu as complètement raison. Et j'ai pas les mots tellement ça me sidère. Que penses-tu de l'alligator rose? Allez, pourquoi pas? Le pire, c'est que c'était l'inverse avant, donc c'était un choix conscient. Putain. Wow. Et je te jure que là, j'ai vraiment cette sorte de... C'est la sorte de réalisation, genre j'ai l'impression de tomber, quoi. C'est... Putain. Ils ont rendu les maillots de bain plus importants que Shinji, merde. Bah c'est Atlus quoi, ouais mais Atlus, Atlus pas Atlus quand même. Anyway, sadness. Anyway, persona free. Bon, ça a l'air mignon. Je vois ce qu'il raconte et je veux la suite de cette histoire. Ah,
Tant que tu mets un petit peu de toi dans ton histoire, il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise. No, the game doesn't jokes on me. I don't know, VSL. VSL-san. Dekireba kimi ni mo nanika o ataeraretara tte negau yo. Kono aida kara kangaete ta. Boku no tame no shiyawase na hanashi o kakitai tte. Boku ga soko ni 自分の生きた意味を見出せるような、そんな幸せな話を。書くときは君を思い浮かべてる。まだ死ぬなと君が言ってくれそうな気がして。Woo! Et c'est que le rank 6. Mousugu kazuga fuite kuru. Koko no tokoro souyu no ga wakaru nda. Jikan ga nai no kana. Kaero. Mata aeru koto o inoru yo. Ouais, mais il y a qui glisse. J'essaye de coupe comme je peux, ok? Toutes ces scènes ressemblent à rank 10. Ouais, je me souviens que déjà quand j'avais fait le rank 3, je crois, je disais, bah attends, c'est que le rank 3 ça? C'est quoi la suite? Genre là, c'est juste l'exposition du personnage, c'est même pas encore le drama là! Pardon! C'est mon âme de troll qui a parlé, désolé. Alors, véridique, c'est le genre de truc que je peux faire au bureau, ça. Ou vraiment, genre, je suis juste en train de faire mon boulot, je suis en train de... Puis, je sais pas, il y a un collègue qui sort une connerie ou quoi, et des fois, je peux juste... Je relève la tête et... Et t'as mon collègue, quoi? Et genre, je dis rien, juste le fixe. Donc quand c'est ce genre de situation, j'aime bien genre juste, je fixe la personne en question et j'attends de voir comment la situation évolue. J'ai toujours trouvé que c'était une méthode très efficace lorsque quelqu'un a quelque chose à te dire ou qu'il cache quelque chose, c'est une technique très efficace. Juste tu le fixes du regard et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh, je te jure, c'est pas moi qui ai fait... Voilà, tu vois, t'as rien demandé, mais il va chercher à se défendre. C'est juste le regard qui fait peser la culpabilité, tu vois. Ouh. Non, mais je voulais juste te demander. Voilà, c'est ça que j'attendais. J'ai l'impression quand même, maintenant que j'y pense, genre tout le monde apprécie Shinjiro. Mais de son côté, il fait des efforts pour s'intégrer, pour aller de l'avant, en fait. Bon, tu vois, après, il n'est pas encore tout à fait sûr de lui, toi. C'est un effort qu'il n'est pas habitué à faire. Donc forcément, il craint que ça ne marche pas. Donc toi, non, mais si je vous dérange de... Allez, viens. Toi. Et il est content quand tu... Il dit, mais sinon, je voudrais bien venir avec vous pour... Enfin, si je vous dérange, il n'y a pas de souci, je peux retourner dans ma chambre. Allez, viens. Oui, d'accord, ok, j'arrive. Toi.
C'est, il est pas sûr de lui, mais il essaie d'aller de l'avant. Et ça, c'est beau. Et Yakuromaru. Et au moins, il essaye. Voilà. Il essaye. Quelle est... Question suivante. Quel est le terme utilisé pour décrire l'absence de résistance électrique? Oh, c'est ça. Putain, tu le sais, gamin. Putain, quel âge? Non, par contre, vraie question. Comment tu sais ça? Non, par contre, vraie question. Ah! Oui, donc l'attaque cyclone supraconducteur, c'était pour ça, ok, d'accord. J'avais pas percuté, mais ok. Alors, je vais rien dire. C'est grâce à Magic the Gathering que j'ai. Quand j'étais gamin, j'avais compris le concept d'être écorché. De l'absence de peau. Merci les zombies qu'il y a dans ce jeu. Voilà, je vais rien dire, apprendre des trucs grâce au jeu et tout ça que ou série que tu vois autour de toi. Quand t'es gamin, ça te fait apprendre des trucs, tu t'attendrais pas, tes parents s'attendent pas à ce que tu les apprennes. Parce qu'en fait, il y avait une carte, c'était... Est-ce que je... Bah du coup, je jouais zombie quand je jouais à Magic quand j'étais gamin et en fait bah du coup j'avais une carte, ça s'appelait zombie écorché, c'était un zombie qui était décrit comme sans peau, donc du coup bah être écorché j'avais compris que c'était bah du coup de la, que, voilà, tu te retires de la peau, c'est voilà, t'as la peau qui s'est retirée et tout ça, voilà, et effectivement, et genre je devais avoir 11 ans, un truc comme ça, enfin j'étais vraiment jeune. Oh la chance. C'est vrai que c'est encore un enfant, il possède encore cette magie. Vous savez, cette magie incroyable que tu avais de t'endormir à un endroit et de te réveiller dans ton lit. Un pouvoir qu'on perd à partir d'un certain âge, et c'est fort triste. Bonne nuit, Liré. À la prochaine. Il n'y a pas cours. Wouh. Non, en vérité, vous savez quoi, j'ai un truc à faire. Alors, les boosts. Bah, boost de tête parce que je l'ai pas encore. Hop. Alors en vrai, j'ai accès au dortoir normalement aujourd'hui. J'ai rentré au dortoir, ne mets pas. Parce qu'en vrai, je veux bien me mettre sur le PC et faire mon truc de jardinage là. Oh, et nos amis au secours. Hein. S'il vous plaît. Comprenez que je suis pas particulièrement heureux à l'idée de. Ah, attends, donc du coup, c'est-à-dire que genre, si je vais voir, attends. Juste pour voir. Si je vais dans les chambres de Junpei et. Alors, Hamada. Junpei. Ok. Donc Junpei est en train de réviser. Enfin, il essaye. Ok, et là, juste, on sent des perturbations dans la force en s'approchant de la chambre de Yukari. Et donc, en tant que petit ami, nous décidons d'adopter une posture défensive et de nous éloigner. Alors, note sur un blog végétarien. Et depuis toujours, quelqu'un qui va pouvoir se téléporter. Et
pousse de tomates dorées. Oh, ça me débloque des trucs à Rafflesia. Ok, worse. Mille fois worse. Encore les révisions du coup, le dernier rush. Ouais, le dernier rush de révision. Allez, vas-y. Allons-y. さて、目先の試験に専念してもらうために今日は勉強会を開かせてもらった。アマダにも学業に集中してもらうため招集した。一緒に励んでほしい。お邪魔にならないように気をつけます。よろしくお願いします。みんな上級生として手本になるようしっかり勉強に取り組んでくれ。 Avec Junpei dans le mix. コロちゃんも勉強するんだ。偉いんだね。コロマルさんは皆さんが勉学に励む姿を見守る。と。コロマル勤勉だね。順平なんて大あくびしてたのに大違い。いやあ、マジそれな。俺っちと変わってくる。Par contre, un truc qui me fume vraiment de Yukari, c'est que Yukari, si elle ne trash talk que pas Junpei une fois par jour, elle explose. Alors, des épinames à la viande 2.0. Le machin, ton épiname à la viande, ça va être un cœur qui bat encore. C'est pas le meilleur. Non, c'est pas celui-là. Enfin, si, je crois. Enfin, je sais plus. Putain, il le fait. ああ、こう。コロマルさんには勉強の義務こそありませんが。ケルヴァンエグザンプルは、ケンヌはセサ。神社をずっと守り続けてたんだもんね。試験勉強よりずっと大変なことだと思うな。犬になりたいなら、まずはコロマルみたいな忍耐力を身につけてからだな。犬になるのも大変そうですね。 Junpei, il se prend des leçons de Ken. Putain, j'avoue, ils ont tous le... Tous, sans la moindre exception. Quoi, peut-être pas Kuromaru, parce que bon, il est pas forcément dans le bon angle, mais... Là, que ce soit Akihiko, Mitsuru, Fuka, Yukari, Aegis, Ken, Protag, ils sont tous tournés vers Junpei. Oui, madame. Ah, toujours pas. C'est vrai que c'est dur à m'axer ça. Encore une fois, quand tu vois comment est Mitsuru dans Persona Arena, je voudrais pas être à la place de Junpei. Bien教会は以上で終了だそうです。お疲れ様でした。ゆっくり休むであります。 Alors là, le chat va peut-être avoir besoin d'un peu d'aide. Parce que là, je pense qu'il y a des questions. Ça fait un mois et demi que je les ai vues. C'est pas dit que je me souvienne de tout. L'hormone de Panini a l'impression de réussir d'accomplissement. C'était un symptôme de sa surproduction. L'addiction.
Ok, ça c'est bon, ça c'est un truc qu'on a vu aujourd'hui. Je fais juste 3 fois maintenant, je gère, nice. Ok, parce que, alors, bon, je vais essayer de me, dans la mesure du possible, de me débrouiller tout seul, mais quand tu considères qu'il y a des questions, j'ai dû les voir il y a un mois et demi. Bon, voilà, hein, c'est, je... J'ai pas de mémoire dégueulasse, mais n'exagérons pas. Oh! Oh, le pen spin qu'elle a fait, Yukari! Attendez, je sais pas pourquoi j'ai... Ça a attiré mon regard instantanément. Attendez. Juste voir le temps que son animation, elle loupe. Oh là 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 là! Ah, le pen spinning qu'elle te fait, Yukari, elle en a rien à foutre. Ah, c'est vraiment la best. Pardon, excusez-moi. Alors, qui est souvent considéré comme le premier numérologue? Son nom est bien connu grâce à un théorème célèbre. On protège? J'avoue, là, j'ai un gros trou de mémoire. Mais en plus, ça parle de maths, alors... Après, vous me direz, Persona 3, c'est plus... Les Shadows, c'est plus des classes Keter, hein. Pas possible à contenir. Et c'est encore plus chaud de protéger. Pythagore. Le premier numérologue, ah ouais? T'es sûr? Ok. C'est vrai que le fait qu'il parle d'un théorème, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais j'ai... Je me disais que c'était trop simple. Attendez. Est-ce qu'on pourrait avoir le pen spinning de Yukari? Hop là. Ah putain, ça me termine. Alors, quel phénomène apparaît quand la résistance électrique atteint 0 indice? J'ai utilisé ce mot pour déclarer ma flamme à quelqu'un. Attends, fais voir ce qu'ils ont dit. Supra-électricité, supra-élasticité, supra-conductivité, ce qui est évidemment la bonne réponse. Supra-transformativité. Alors, ouais. Ça va. En plus, c'est bien, je suis dans mon domaine avec ça. Allez, instant pen spinning. Alors, que signifie l'expression spill the bean? Alors, je crois que c'est le révéler un secret, mais je crois, hein. C'est pas spill the bean, parce que moi, spill the bean, je dirais plutôt cracher le morceau. Et cracher le morceau, c'est révéler un secret, nous, on est bien d'accord. Juste trou de mémoire, parce que j'ai peur qu'il y ait un piège. Oui, d'accord, c'était révéler un secret parce que spill the bean, c'est crash le morceau, quoi. Enfin, en français, on dirait crash le morceau. C'est bien ça. Ok, on est d'accord. Alors ça, je me souviens que c'est une question qui était d'il y a longtemps. Ouais, pen spinning parce que je reconnais l'animation. Ah non, je pensais qu'elle le ferait là. Pas de pen spinning, Yukari. Allez, hop, voilà. Juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir parce que je pense pas qu'elle le faisait sur PS2. Juste pour le plaisir de se dire qu'ils ont quand même fait une animation pendant les examens où Yukari fait du pen spinning, quoi. Moi, j'y arrivais pas. Mon stylo volait tout le temps. Je n'arrête pas d'écrire, ok. Exercice libre, on est bon. Oh bon, on va encore être bon pour être premier de la classe, hein. Let's go, le travail d'équipe. Ah! Alors oui, mais... Ah! Oh! Mais il y en a déjà des rumeurs! Je sens un lien indéfectible avec Yukari. Je crois pas que notre opération fait plus approfondie, mais je quand même passer du temps avec. Un petit peu flavor la sociale. Ah ok. Oh stylé. Incroyable.
Bon, wouhou! Alors, on peut commencer Fuka. On peut initier Fuka. Ou on peut continuer Chihiro et Yuko. Mais en vrai, c'est quoi vu qu'on l'a unlock? Mais c'est vrai que Justice c'est fort. Je sais plus c'est quoi son arme. Plus tard. Arcana Burst, ok, ouais, voilà. Au moins, il y aura un Arcana Burst level 1. Ouais, je pense que c'est mieux. Mais j'ai assez de courage pour tenter. L'intérieur de la pâte à bêteau est un mélange chaotique d'ingrédients. C'est vrai que ça a l'air d'être un peu foutoir. C'est bien ce que je disais, que c'était des quartiers d'orange. Après, ça peut être un bento sucré pour le goûter, hein. Je dis pas. Hein. Vous savez quoi, je vais rester fidèle à moi-même. Parce que j'ai toujours des... Parce que j'ai des amis qui ont pas du tout confiance en leur capacité à cuisiner. Alors qu'à chaque fois que j'ai mangé ce qu'ils préparaient, bah, j'ai toujours trouvé ça très bon. Et du coup, j'aurais toujours dit, mais tu sais que si je trouvais ça dégueulasse, je te l'aurais dit. Il faut que je te dise que c'est immonde pour savoir qu'il faut que tu t'améliores. Ça fait mal. L'ego, il a mal. Mais ça sert à rien, l'ego, de toute manière. On peut lui dire d'aller se faire foutre. Voilà. Il faut dire les choses. Ça peut faire mal. T'encaisses un instant. Tu souffles. Et tu y retournes pour t'améliorer. Fallait bien que quelqu'un se sacrifie. Et encore une fois, je l'ai dit assez pendant ces streams et je vais dire et maintenir. Vous imaginez pas les immondices que j'ai pu préparer quand j'ai commencé à apprendre à faire de la cuisine. Hein. Quand j'ai emménagé dans mon appart, que je suis parti de chez mes parents, qu'il a bien fallu que je me fasse à bouffer moi-même. Vous imaginez pas ce que j'ai pu préparer. Je tiens à lancer ce petit rappel que parmi mes premières recettes, je me suis fait une recette de champignons farcis et que j'ai passé la nuit entière à me tordre de douleur dans mon lit et tellement que le matin j'ai appelé mon chef et « Chef, je suis pas bien, j'y viens pas. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. » Et que plusieurs jours encore après, j'avais encore mal. Il a fallu que je me prenne des antibiotiques. Parce qu'en fait, ça m'avait littéralement fait une infection à l'estomac. Voilà. Ça, c'est les premiers trucs que j'ai préparé à bouffer. Aujourd'hui, je te prépare des trucs, j'en suis fier. Enfin, fier. J'en suis content. C'est mangeable. Ça a bon goût, tu vois. Des fois, je fais des trucs, je dis « Ah ouais, quand même, ça a de la gueule, là. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, c'est bon, ça. Ça a peut-être une mauvaise gueule, mais c'est bon. » Voilà. Mais quand j'ai commencé, voilà, la recette des champignons farcis. Hein. C'est littéralement, là, ce que Fuka a préparé, c'est rien à côté de ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Tout le monde peut le faire avec de la pratique, exactement.
C'est pas compliqué la cuisine, faut juste prendre la peine de s'y mettre. Et surtout, il faut pas se décourager. Tartarus, ah non, à l'instant. À l'instant, ouais, ouais, j'ai à côté parce que j'ai pas été sur le toit. Ah merde, j'aurais dû aller au Rafflesia avant. La cuisine avec Akiko, en effet, donc on peut pas la décourmarou. On peut les récolter avec Junpei. Non, attends, pas maintenant. Ouais, c'est dommage pour parce que du coup, j'ai. Ouais, puis Rafflesia, je peux pas y aller là, ouais, c'est. Ah. C'est dommage. Ah, j'aurais dû aller à Rafflesia juste avant. Vous savez quoi, je vais juste perdre un jour pour faire pousser les tomates dorées, là, enfin les nouvelles, nouveaux trucs de Rafflesia. On va passer du temps, parce que je crois qu'avec Junpei et Aki, enfin avec Akiko c'est fait, Kuromaru c'est juste aller se balader au hasard avec un social link. Moi, allez, on va, même si c'est pas un level up, on va pexer The Tower. Oh, ah bah je sais ce qu'il va y avoir aujourd'hui, tiens. Oui. Ouais, bah oui, forcément. Ah, on est dimanche. Vous savez ce qui nous attend. Alors, les merveilles de Tanaka, qu'est-ce que t'as à nous offrir aujourd'hui, mon cher Tanaka? Un curry instantané. Toujours 5 curry instantanés. Oh oui. Oh oui. Et des nouilles minutes. Pour 49 balles. Oh l'arnaque. Je prends. Est-ce que t'as regardé le couteau? Pas encore. Hop. Alors, voyons voir ce couteau. Altération d'état moyenne. Ouais. Par rapport à ça, c'est... Voilà. Là, en vrai, l'arme qu'il a, Kuromaru, il y a moyen qu'il la garde pendant longtemps, hein, parce que c'est vraiment très très fort. Ah. Un instant. Un instant, parce que on doit aller à Rafflesia. Et faire un petit tour des distributeurs, tiens. Une tomate qui donne de la vitalité. Hop, on ira planter ça ce soir. Comment se faire pigeonner par Tanaka? Mais qui aurait pu le prédire?
Il a l'air pourtant si honnête. Oups. Ah quoi que si, attendez. Je crois que c'était la lame furieuse, hein, la compétence de Shinji. Hein. になったんだね。ワニはそれはそれは嬉しかった。初めての友達だから、毎日一緒に川で水浴びをしたり、小鳥の歌を聞いたりした。だけどワニはいつもお腹を空かせてた。なぜってピンク色だからさ。森では目立ちすぎる色だ。彼の獲物はみんな彼が見つける前に逃げてしまう。ある時彼は空腹のあまり目を回して、彼の口の中で眠っていた友達の小鳥をバクンと食べてしまった。彼はすぐ気がついて顔を真っ青にした。黒沼の水を飲んで吐き出したけど、小鳥はすでに息絶えていた。ウィッシュ。OK? そして彼は何も食べられなくなった。Well, that escalated quickly? そこまでしか書いてないんだ。最後をまだ考えついていないから。Wesh?Je... Alors, ton histoire, elle a commencé comme un conte pour enfants. Et elle a fini comme un conte pour enfants, en fait, oui. Mais alors, dans ce cas-là, c'est quoi la morale? Parce que même avec l'histoire qui termine le plus mal, Parce que là, j'ai vraiment envie de dire, c'est vraiment déprimant, parce que dans ton histoire, du coup, l'alligator, il a tué son seul ami, et maintenant, il se laisse mourir. Oh, je vais être honnête, hein, c'est vraiment déprimant, frérot. Oui. Je reviens pas que ce soit la bonne réponse, par ailleurs.Ça se finit comme un conte pour enfants sans... Ouais, non, mais c'est ça, ça commence comme un conte pour enfants et ça termine comme un conte pour enfants, effectivement. Mais alors, le truc, c'est que même dans les fins de contes pour enfants les plus cruelles ou les plus glauques, il y a toujours une morale quelque part. Et là, je vous avoue que j'ai un peu du mal à la saisir. Mais étant donné qui est l'auteur, on va dire que c'est pas cohérent avec d'où ça vient. Disons qu'il faut qu'elle veuille dire quelque chose. Ça peut être une histoire déprimante. En vrai, une histoire peut être déprimante. C'est pas le fait qu'elle soit déprimante n'est pas un défaut. Il peut y avoir des histoires tristes. Il peut y avoir des histoires déprimantes. Mais il faut que ça raconte quelque chose. Être juste déprimant pour être déprimant, c'est pas une bonne chose. Enfin, c'est pas une bonne chose.Je pense que ça ne fait pas une histoire intéressante. Être déprimant juste pour être déprimant. Vous voyez,
C'est comme un, on va dire, une histoire qui est gore, juste pour être gore, tu vois. Genre, c'est juste un... Comment dire ? C'est juste un festival de d'hémoglobine. Bon, bah super, ouais, mais qu'est-ce que ça me raconte, en fait ? Voilà. Ouais, ce genre de truc-là. C'est, tu peux faire des histoires avec des thèmes choquants ou quoi, mais il faut que ça serve un récit. Là, j'avoue que le truc, c'est que ton histoire est déprimante, et j'ai l'impression qu'elle est déprimante juste pour être déprimante. Enfin, non. Enfin, il manque, je pense qu'il manque juste une morale. Il manque un truc. Je me suis perdu dans ma propre explication, c'est terrible. Ouais, il n'a pas encore fini sa fin, effectivement. Ouf. Ah, ça par contre c'est beau. Son histoire est pas mauvaise. En vrai, ça prend vraiment un petit ça fait comme un petit conte pour enfant en vrai. Vraiment, tel qu'il nous l'a raconté, ça fait vraiment conte pour enfant. Ce conte est très triste. Et du coup, je pense qu'il manque juste quelque chose encore. Mais il est encore en train de l'écrire, effectivement. Quand tu dis ce sera terminé, tu veux parler du bouquin, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Attention! Quand je dis faut que ça raconte quelque chose, je dis pas qu'il faut une happy ending. Hein. Attention! Une bonne histoire peut finir sur une mauvaise fin. Ce qui compte, c'est ce que ça te raconte. Voilà. それじゃまた会えることを祈って。君か。Oui, c'est moi. Alors, on peut faire la bouffe avec Ken. Salut. T'as Moutet, c'est toujours pas un level up. Et il me faut un personnage de l'Arcane Étoile en vrai. Parce que là, si j'ai pas passé trois. Je vais pas passer un temps de fou. Ah ouais, tranquille ici. Ça se met bien ici. Ah bon, on va aller planter nos tomates du coup. Et bah écoute, on va essayer ça. Hein. Hop. Et on essaiera autant que possible de les entretenir. Laissez-moi juste vérifier un truc. Oh boy. 18-10, ça m'a dit quelque chose. Putain, c'était ça. Voilà. Donc le système de caméra se détruit. Mais c'était exactement à ça que je pensais. C'était cet enregistrement-là que je cherchais. Parce que juste, ça me faisait trop rire. いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか？うん。やっぱ学祭流れちゃったのちょっぴりもったいなかったかな。
せっかくだし、この際一日だけ寮の中をこれで過ごしてみるとか。Pardon, bah, ça, c'est bon, ça fait toujours rire. なになに、ゆかりっち、ご主人様とか呼んでくれちゃうわけ？どうしたタケバ、ミツルの家の使用人にでもなるのか？C'est encore mieux. やめとこ。ずっと返しそびれてたけど、そういえばこれコスプレじゃなくて本職用なのよね。そうだ、先輩に返しちゃう前に写真撮っとこ。ゆかりちゃん、いる？実は少し手伝ってほしいことがあって。あ、うん。そうだ、風花も巻き込もう。こういう写真、一人じゃ微妙に痛いしね。Le plan foireux du carré. Oh putain. Yukari-chan, cette capa. Ne, mada nanchaku ga aru nda. Fuuka mo kite minai? Eh? Ah, chotto. Daijoubu, jitto shitete.これ一人で切るのコツいるから手伝った方が早いって。あ、待って、ゆかりちゃん。あ、désolé. Bon, ça me fait toujours rire. Vraiment, le, en fait, le côté de Yukari, genre, il devait faire le maid café pendant le festival. Le festival est annulé. Et du coup, ça l'a fait tellement chier parce qu'elle s'est emmerdée à récupérer cette tenue, à s'habituer à la porter et à jouer son rôle, que du coup, elle commence à le faire toute seule dans sa chambre.En mode ça emmerde, je me suis fait chier à m'entraîner pour ça et ça sert à rien. Et du coup, qu'en plus, du coup, ensuite elle s'amuse à imaginer les réactions des autres et tout. Pardon, ça. Finalement, ça m'a autant fait rire que la première fois. Désolé. Maintenant, on peut détruire les caméras. Voilà, c'est bon, j'ai vu ce que j'avais à voir. Est-ce que je peux voir Fuka Maid? It's Yukari Time.Ah mais vraiment, toi pour moi ça c'est tout Yukari, tu vois. Et Yukari c'est le, elle est pas dérangée de porter la tenue de maid, elle est même, apparemment elle se dit elle-même, putain mais je peux la rentabiliser cette tenue putain, c'est de s'habituer à la porter tout ça, vas-y faut que ça serve. Donc elle est en train de se dire, vas-y je vais porter ça au dortoir. C'est quitte à faire ça, bah quand je suis au dortoir je la porterai. Pour ensuite se dire, attends, je vais peut-être embarquer quelqu'un dans ma connerie histoire de pas trop me taper l'an. Tout Yukari. Et là on développe la tenue de maid pour Yukari à Tartarus.Alors, en vérité, il y a un monde où je l'ai déjà. Non. Et non. Mais alors, en vrai... Non, parce que pour le nombre de tenues un peu sus que j'ai débloqué pour Yukari, bien malgré moi, il y avait un monde où je l'avais déjà unlock. Hein. Non, parce qu'après, je crois que overall, j'ai déjà débloqué pour certains persos. Bon, bah, Yukari, ça...Tu vois, j'ai déjà tenue de majordome. Tu vois, j'ai déjà une tenue de butler pour Akihiko, pour Junpei. J'ai la tenue de maid pour Mitsuru. Ah, je pense en avoir plus que ça, tiens. Ah ouais. T'as trop pleuré, je pense en avoir débloqué plus que ça. Surtout les tenues de butler, je pense en avoir plus que ça.Mais enfin, bon les gens, vu l'heure qu'il est, à ce qu'il paraît, je taffe demain. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà. 16 jours avant la prochaine pleine lune. Donc je pense qu'on va avoir encore un bon stream de Slice of Life et un petit début de Tartarus la prochaine fois. En tout cas les gens, merci à vous d'avoir passé cette soirée en ma compagnie. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Et bien écoutez...On se retrouve pour la suite de Persona 3 la prochaine fois. Merci à vous tous. Et je profite aussi également pour remercier YouTube. Voilà, si toi t'es sur YouTube là actuellement et que t'as suivi les VOD jusque là, merci à toi. Ça fait très plaisir que... Voilà. Parce que là on en est quoi? Là ça doit être à peu près à la 30e. On doit s'approcher de la 30e VOD. De 2 à 3 heures les VOD. Enfin bref, voilà. Merci à toi. C'est beaucoup de temps. Donc merci à toi.
Et si jamais tu veux venir voir ça en direct, bah t'as le lien dans la description, t'as le lien du Twitch, t'as le lien du Discord où j'annonce lorsque je lance un stream. Donc n'hésite pas à venir faire un petit tour, c'est ouvert à tous. Par contre ça m'arrange pas, je dois commencer à 8h. Oh. Oh. T'inquiète, pareil. Moi c'est debout 6h hein, tous les matins. T'es debout 6h tout le temps. Pour être à 8h au taf. D'où le fait que je stream pas très très tard, parce que là je sais que j'en ai pour une heure avant de dormir, donc voilà. Bref, allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit à ceux qui sont sur le stream, et une bonne journée, nuit, soirée, en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette VOD YouTube, et à la prochaine, ciao !